François, maintenant, on va faire un plat que les gens n'ont pas tendance à essayer parce qu'on dit que c'est du jarret. Donc, on pourrait faire du jarret de veau, du jarret de bœuf. On appelle ça un ossobuco. Mais là, on va le faire avec de l'orignal. Donc, il ne peut pas être plus frais. Il y a l'orignal, il a juste vieilli assez. Ça, c'est d'orignal cette année. Donc, on va se faire un ossobuco d'orignal. Et quand on regarde le plat déjà pour présenter comment c'est beau, donc, on va se faire un ossobuco d'orignal. Puis on voit, Claude, ici, on a la chance d'avoir une pièce de viande qui est très, très viandée. Oui. Hein, comme tu peux voir. Donc, on a pris un peu plus gros, bien sûr, dans le jarret. Au lieu de prendre le plus beau, on a pris plus gros. Exact. Ça va nous donner plus de viande. On en a presque pour 4 personnes, là. Parfait. Claude, pour confectionner notre recette, bien entendu, on a encore besoin de légumes. Oui. Moi, pendant ce temps-là, je vais saisir les pièces. OK. OK. Toi, tu vas me couper les légumes. OK, ça va. Okay. Pour commencer, Claude, tu vas me faire de l'oignon. Oui. Bien entendu, un oignon. Okay. Haché pas trop fin, Claude. OK. C'est sûr que c'est un plat mijoté. Donc, c'est éviter de faire trop petit, là. C'est beau. OK. Moi, pendant ce temps-là, Claude, je vais saisir ça. Vas-y. Je vais mettre un peu du gras de canard. Comme je dis tout le temps, le gras de canard, c'est très bien. Avec un feu vif. OK. Donc, j'ai déjà. Bon, ben là, on est parti avec ma petite spatule. Pas grave. On va les prendre avec notre main. Parfait. Vas-y, tiens, je vais me prendre... Ensuite de ça, Claude, j'aimerais que tu fasses de la carotte. Oui. OK. Même chose, même grosseur. Même grosseur, c'est parfait. Parfait. OK. Moi, pendant ce temps-là, ici, avec un super beau poêlon, que ça va très bien, que ça garde la chaleur. C'est important, Claude, de prendre un poêlon, que ça garde la chaleur. Qui garde la chaleur. C'est sûr que le poêlon, il fait beaucoup. Si vous avez un poêlon, que le fond n'est pas assez épais, que ça ne garde pas la chaleur, votre pièce de viande, elle va bouillir. Elle va bouillir. Là, donc, on sait que dans ce temps-là, Claude, les sucres, ils sortent de la viande. Vous autres, au niveau de la cuisine, les chefs, vous appelez ça des sucres. Les gens disent tout le temps, mais qu'est-ce que c'est que les sucres? C'est justement le sang qui cuit. Exact. Qui fait exact. Le sucre. Ça fait cristalliser les sucres, ça reste à l'intérieur de la pièce. Okay. OK. Ensuite de ça, Claude, bien entendu, j'ai besoin du céleri. OK. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'encore une fois, on a besoin d'un mirepoix. Exact. OK. Alors, on voit ici, je dois saisir mes belles pièces de viande. Hey, ça ne peut pas être plus frais que ça. Non. Ça, c'est. Ça, en plus de ça, cette année, on a eu la chance de récolter notre orignal pour le laisser vieillir pendant 28 jours. Donc, c'est sûr qu'on perd un peu de viande. Les gens, ce qu'ils ne veulent pas quand ils font la chasse, là, je fais une parenthèse là-dessus, c'est qu'on ne fait pas assez vieillir les viandes. Et même les viandes qu'on achète sur le marché, à moins d'acheter du Angus, par exemple, ou certaines sortes de viandes qui ont vieilli longtemps, les viandes ne sont pas assez vieillies et c'est ce qui fait qu'on n'a pas tout notre bon goût. 28 jours, Claude, c'est idéal? Bien, pendu 28 jours, c'est l'idéal. Okay. Au frais, bien sûr, bien ventilé. Un connaisseur comme toi? Bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas... les gens n'ont pas tous la chance d'être capables de faire vieillir ça 28 jours. C'est premièrement de trouver un endroit au frais pour être capable d'avoir ça. OK, c'est un endroit réfrigéré? Non, pendu dans une grange, en autant qu'il y a une grande aération, 28 jours de temps. OK. Bon, OK. Ensuite de ça, Claude, j'aimerais que tu me fasses une coupe de gousses d'ail. Oui. Donc, ça aussi, on va refaire... On voit ici, Claude, là. Regardez comment est-ce que c'est bien coloré. OK. Donc, je vais simplement enlever les parties dures de notre ail. Et on va rouler... On fait saisir. Excuse-moi, je vais prendre un petit peu de rouleau. Bien entendu, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Toujours notre petit, j'appelle ça un petit tuyau à ail. On a mis notre ail à l'intérieur. Je fais simplement rouler et quand on va sortir, l'ail est complètement pelé et les restants sont génial. À l'intérieur de... Ça l'évite de se couper, ça l'évite... Absolument. Donc, on met notre gousse d'ail, on fait simplement rouler. Souvent, Claude, les gens, ils veulent pas travailler avec de l'ail fraîche parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de travail à faire après. Oui. Il n'y a plus de raison avec cet appareil. Non, absolument pas. Regarde, on en prend une ici qui n'est pas pelée et je montre très bien qu'en faisant ça... On enlève le germe. On fait simplement la rouler. Ce qui va sortir, ça va être... L'épleure, donc, tu vois, c'est extraordinaire. On le coupe en deux, on enlève le germe. Moi, Claude, ici, j'ai bien saisi les deux côtés. On voit bien le germe ici sur la table. On est en mesure de le voir. Ça, il est bien clair. On voit bien le germe vert qui est là. Donc, ça nous permet justement de l'enlever. Ici, je vais enlever l'autre partie du germe sur l'autre gousse d'ail. Il y en a que le germe n'est pas abondant, comme ici. Puis ici, il est très dominant. On le voit bien, le vert. Donc, j'ai enlevé mon germe. Pour éviter que les gens qui disent, ben moi, je ne mets pas beaucoup d'ail parce que c'est dur. C'est plus dur à digérer. On va l'avoir répété souvent. Et là, tu vas avoir ton ail comment, François? Comme ça? Exact. OK. Parfait. C'est beau. Alors, moi, Claude, ici, encore là, je fais saisir. Ton deuxième morceau. Oui, OK.
Ensuite, j'ai un beau poêlon ici. On va déposer. Ça prend un poêlon quand même assez gros, Claude, parce qu'on va mettre un fond de gibier. Hein? OK, OK. Donc, et voici, j'ai pas enlevé, pour l'autre, j'ai pas enlevé la tige. Très belle pièce. Bon, ça, c'est beau, c'est prêt. Tous les produits sont là, sont déjà prêts. Claude, ici, tout à l'heure, pour notre confection, on a un petit peu. Oui, un peu de zeste de citron. Exact. Donc, on a justement été chercher notre zeste. Donc, ça, c'est facile. J'aimerais, Claude, que tu me fasses les tomates coupées environ à peu près en 8. On va se servir pour mettre avec, pour faire notre fond. Donc, on a pris des tomates italiennes, François. Ici, y a-t-il une raison particulière? Moi, j'aime bien les tomates italiennes. Il y a moins de jus à l'intérieur. Le goût est fin. Okay. Moi, j'aime travailler, tout dépendamment encore là, la discrétion des gens, mais c'est une tomate que j'aime bien travailler. Okay. Puis on peut la faire confit, il y a différentes façons on peut la faire. Deux tomates, Claude, s'il vous plaît. Parfait. C'est déjà fait, tout est tranché. Alors moi, ici, Claude, j'ai saisi ça, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, avec mon moulin magique. OK. Ça sent bon. OK, on ferme le rond, je dépose ça dans mon chaudron. Mais c'est toujours la cuisson du gras de canard qui fait que ça... Déjà, en partant, on va chercher beaucoup plus de goût. Hein? Exact. OK, tous mes ingrédients, on les voit bien sur la table, ils sont déjà prêts. Oui. Moi, je vais singer ici avec un peu de farine. Donc, quand on parle de singer, on fait simplement épaissir un peu. Exact. C'est pour faut que ça soit ça va épaissir, Claude, avec la farine. OK. Une question de... Ça va garder aussi, là... ça va donner une consistance, là. Qui, OK. Ça va. Alors ici, on a ça. Il nous reste nos ingrédients. On va te laisser faire ça parce qu'il va nous rester nos ingrédients alors, dedans. Oui, on met nos ingrédients dedans. Okay. On est parti avec ma spatule, là, mais je vais juste vérifier pour trouver. Ah, on récupère nos trucs. Alors, on met nos légumes dans le poêlon. C'est beau. Au complet. Ça,